beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Je suis très content de représenter mon équipe qui travaille depuis des années pour arriver au meilleur niveau. Et c'est vrai que ça me fait plaisir, même si ce n'est pas des choses auxquelles on court sur une carrière. Ça fait toujours plaisir de pouvoir représenter des coéquipiers qui sont pour la plupart des amis. On fait ça toutes nos vies, on fait tout ça pour gagner des titres. Moi, j'en ai pas gagné, donc c'est vrai que d'en recevoir un ce soir, ça met une petite récompense derrière tout ce travail qu'il y a depuis des années. Oui, c'est une fierté pour moi, pour ma famille et encore une fois pour toute l'équipe, parce que c'est vrai qu'on fait un sport où sans ses partenaires on n'est rien, et c'est encore plus le cas dans ce club qui est le SA15. Voilà, cette mise en avant, je pense qu'elle est méritée après toutes ces années. Donc ça, c'est déjà la première chose. Content pour aussi Anthony, capitaine, qui le mérite amplement, qui fait le travail de l'ombre, mais voilà, c'est une juste récompense. Voilà, moi je suis arrivé au niveau pro tardivement, puisque le club est monté il y a 4 ans, et donc comme j'ai grandi avec le club, et forcément voilà, c'est une fierté aussi de me dire qu'il y a des grands noms qui sont passés avant moi. De recevoir ce soir le Midol dans notre ville et sur notre territoire, c'est une grande fierté. C'est la récompense de 10 ans d'activité, de 10 ans de création de club. Et puis c'est porter un petit peu les vraies valeurs de notre club, qui sont représentées par deux garçons, qui sont Anthony Coletta. C'est un joueur exemplaire sur le terrain, et c'est Antoine Roger qui entame sa 9e saison au club et qui est là depuis la Fédérale 3 pratiquement, et qui nous a aidé à gravir tous ces échelons qui nous ont amenés aujourd'hui auprès de vous. La soirée s'est super bien passée, c'était un très bon moment qu'on a partagé ici avec 800 personnes, plus de 800 personnes présentes pour ce premier Oscar qui était organisé à Soyaux Angoulême, et avec un très très joli moment d'émotion pour Anthony à la fin, qui a retrouvé sa petite fille sur scène et qui a vraiment été marqué par l'émotion. C'est des moments privilégiés qu'ils sont amenés à vivre lors de telles soirées. Écoutez, la GMF est partenaire de la Fédération Française de Rugby et de la Ligue Nationale de Rugby depuis plus de 32 ans. Nous assurons nos licenciés, bien sûr, de la Fédération, depuis très très longtemps également. Et c'est un double honneur d'être ici, puisque moi je suis charentaise, et du coup de retrouver notre équipe du SA15 déjà en Pro D2, et qu'elle s'y tienne, et aujourd'hui d'être récompensée par cet Oscar, c'est un vrai honneur pour moi et pour l'entreprise que je représente.